Donc, l'objet de notre chiour, l'objet du cours, c'est d'essayer de comprendre, d'approfondir le sujet de Yom Kippour. Quelle est l'origine de Yom Kippour? C'est toujours très compliqué. C'est-à-dire, quand on approche Yom Kippour, de toute façon, aujourd'hui, quoi qu'on approche, quoi qu'on fasse, on est pollué par comment les choses nous sont proposées, comment les choses nous sont communiquées, comment les choses nous sont vendues. Et donc, il faut essayer de se débarrasser de toute cette superficialité qui n'a rien à voir avec l'essentiel de nos mitzvot à chaque fois. Toujours, une mitzvah se retrouve être toujours embarrassée, elle se retrouve toujours être, polluée par la manière dont on présente la mitzvah. À chaque fois qu'on va présenter une mitzvah, Yom Kippour, il est présenté comme étant le grand pardon, pollué par énormément de choses. Et donc, le travail qu'il y a à faire, c'est bien entendu de redéfinir le point essentiel de Yom Kippour et revenir à quelque chose de simple mais de profond. Donc, on va essayer de réfléchir. Quelle est l'origine de ce jour-là? Déjà, premièrement, qu'est-ce que Yom Kippour? Qu'est-ce que Yom Kippour? Le terme, le mot Yom Kippour, le jour de Kapara. Le mot Kapara, c'est un mot qui est associé à ce qu'on appelle une Kapara. C'est comme racheter une faute. Mais le terme Kapara, comme c'est ramené dans plusieurs endroits, c'est un terme qui signifie nettoyer. Nettoyer, kapara, mechaper, ça vient du, c'est comme nettoyer, nettoyer, se nettoyer. Or, comme toute chose de laquelle tu te nettoies, c'est quoi? C'est que par définition, la saleté peut tu peux t'en débarrasser, tu peux t'en défaire. Il y a certaines choses desquelles tu peux pas te défaire, par exemple. Quelque chose qui est intriqué à ton corps, quelque chose qui fait partie de ton corps, pour t'en débarrasser, il faut que tu coupes ton corps, il faut que tu coupes partie de toi-même. Là, ici, le jour de Yom Kippour, c'est le jour où se révèle que nos fautes ne sont que des saletés superficielles déposées au-dessus de nous, sur nous, duquel on peut se débarrasser en se nettoyant. Donc, c'est-à-dire que si on démarre déjà sur le sens même du terme Yom Kippour, c'est le jour où les fautes se révèlent être superficielles, se révèlent être dans leur superficialité. C'est-à-dire qu'on se nettoie, on peut donner un coup, un jet, et les faire partir de soi. Chose qui n'est pas évidente, évidemment. Pourquoi? Parce que ce qui fait l'essentiel de la gravité d'une faute, ce qui fait l'essentiel de la difficulté d'une faute, c'est quoi? C'est l'idée même de penser, l'idée même de penser que la faute est intriquée à soi. C'est-à-dire, elle est liée à soi, de laquelle on ne peut pas se défaire. Ça, c'est un premier point très très important pour démarrer le sujet de la Kapara, le sujet de Yom Kippour. C'est saisir quelle est la psychologie d'une faute. Déjà, premièrement, avant de parler de faute, il faut parler d'un acte. L'homme, il est construit comme ça, il est construit. Il a construit trois parties dans l'homme, on va dire, trois parties essentielles. Trois parties, qui sont en réalité le cheminement de la volonté d'Akajoukou. Akajoukou, il a une volonté, il a créé l'homme. Il part, mais pas Mishma Trahim, il a insufflé dans ses narines une âme de vie, d'accord? Il a insufflé une âme de vie. Voilà, il y a de l'argent partout ici. Il a insufflé une âme de vie, d'accord? Ok. Il a insufflé une âme de vie. Cette âme de vie-là, c'est, comme on l'a expliqué, c'est qui viole une partie de la Kajoukou, puisqu'il souffle de son propre souffle à l'intérieur de l'homme. Donc ce souffle-là, qui est en vérité ni plus ni moins sa volonté, parcourt l'homme, et donc l'homme, en vérité, à travers la vie qui lui est donnée, par le biais du souffle divin, alors l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il se connecte, il réagit
au mouvement de ce souffle, au mouvement de cette volonté. Et donc, il l'aperçoit suivant des niveaux, ouais, et il l'interprète suivant des niveaux. Donc, il y a des paliers par lesquels cette volonté. D'accord? Donc, l'idée, ouais, c'est quoi? C'est que ce Ratson, cette volonté, ouais, elle parcourt l'homme d'un point de départ qui s'appelle la pensée jusqu'à un point d'arrivée qui s'appelle l'action. D'accord? Maintenant, il y a des étapes, c'est-à-dire que la marche avant, la pensée, c'est-à-dire que lorsque ta volonté à toi propre, qui est le point de connexion avec la volonté de Kajuroko. Lorsque les Rahamim nous disent, ouais, fais que sa volonté soit ta volonté, d'accord? On parle d'une volonté qui est une volonté pure, une vraie volonté, c'est pas une fausse volonté. C'est pas une volonté qui est dépendante des désirs ou de l'environnement, etc., qui est créée par l'extérieur. C'est une volonté qui est intérieure, qui est d'origine, qui est liée à l'être. Ouais. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Cette volonté-là, ouais, connecte. Et elle est un peu extérieure à nous, elle est antérieure à nous. Ouais. Antérieure à c'est-à-dire, elle est à l'objet même de la naissance d'une personne, d'accord? Donc du coup, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a trois paliers. Il y a trois rendez-vous. Ouais, qui sont trois rendez-vous de connexion avec la réalité. Premier rendez-vous, qui est un rendez-vous très élevé, qu'on appelle la marshava, la pensée. Ouais, la marshava. Ouais. Je n'ai même pas enregistré. Ok, donc du coup, premier rendez-vous, la pensée. Deuxième rendez-vous, la parole, d'accord? Maintenant, lorsque le cheminement de la volonté d'Akash Boko et de sa propre volonté arrive au niveau de la parole, elle a encore un travail, elle a encore un cheminement à faire depuis la parole jusqu'à l'action. Ouais. Et là, c'est le troisième degré du da'at, le troisième degré de la connaissance, qui est une connaissance complète, entière, accouchée. Ouais, c'est-à-dire que la différence qu'il y a entre la pensée, la parole et l'action, c'est très simple. C'est que la pensée, ouais, elle est encore très proche de nous, elle est encore très connectée à nous, et elle n'est pas autonome, elle n'est pas indépendante. Ouais, plus on descend vers l'action, plus on crée de l'autonomie, ouais, à notre connaissance. C'est-à-dire que quoi? Que la pensée, elle dépend de ma pensée, elle dépend de ma réflexion. Lorsque j'arrive à la parole, la parole, elle commence à avoir un rapport avec l'extérieur, elle dépend encore de moi, mais elle a une forme d'autonomie. Ouais, elle résonne auprès des autres, elle a une forme d'autonomie, mais pas complètement. Parce que pour pouvoir être entendu de l'autre, il faut que je parle. D'accord? Par contre, une action, elle a une totale autonomie de soi. C'est-à-dire qu'une véritable action, lorsqu'on applique une action, lorsqu'on fait un maasé, ouais, cette action-là, elle est complètement indépendante de toi, complètement autonome. D'accord? Elle peut exister même après toi. D'accord? Et elle peut résonner toute l'intensité de ce qu'elle a parcouru, c'est-à-dire la pensée d'une personne et également la parole d'une personne. D'accord? Une action peut porter tout ça lorsqu'elle est bien faite. Maintenant, elle peut être elle aussi perturbée par le cheminement depuis la pensée jusqu'à l'action. Lorsqu'on a des pensées, mauvaises pensées, ces mauvaises pensées-là peuvent influencer notre parole et donc dire quelque chose qui n'est pas la réalité et donc, on va dire, diminuer notre degré de connaissance. Ouais, on rentre dans l'imaginaire, une forme de l'imaginaire. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? La parole, elle continue son cheminement jusqu'à l'action, mais lorsque on est trop perturbé par des paroles qui ne sont pas les bonnes, eh bien qu'est-ce qui se passe également? Ça va détériorer la qualité de notre action. D'accord? Ok. Pourquoi je dis tout ça? Pourquoi je dis tout ça? Parce que c'est très important de comprendre que quoi? Que l'homme, ouais, c'est au niveau de l'action qu'il a une connexion très forte. C'est là où l'action, ouais, l'action, c'est là-bas où se joue l'intensité du réel pour une personne. Nos pensées ne sont pas forcément réelles. Elles n'ont pas un degré, elles n'ont pas une intensité de réalité aussi forte que nos actions. Ouais, nos paroles, ouais, n'ont pas un degré une intensité, ouais, de réel aussi forte que nos actions. Par contre, nos actions, elles ont un degré, une intensité de réel qui est beaucoup plus forte que tout le reste. Pourquoi? Très simple, parce que justement, plus ce que tu produis, ce que tu exprimes est autonome, plus il renvoie à la réalité.
Quand tu accouches de quelque chose d'autonome qui est séparé de toi, c'est là où tu constates l'intensité de la réalité de ce que tu produis. Lorsque, tant que la pensée dépend de toi, tu peux encore la changer, tu peux encore la manipuler, ta parole, tu peux encore la changer, tu peux encore la manipuler, même si certaines paroles restent aussi, mais il y a encore un degré de manipulation et de rétractation. Par contre, dans une action, étant donné que tu l'as accouchée et qu'elle se trouve être autonome, alors là, les amis, très difficile de, comment dire, de se rétracter, très difficile de faire marche arrière. C'est là qu'est toute la difficulté d'une faute. Toute la, comment dire, la gravité d'une faute, c'est celle-là. C'est quoi? C'est que lorsqu'elle arrive à un degré qu'on appellera maasé, action, ouais, marshava, dibour, maasé, lorsqu'elle arrive au degré de l'action, alors là, qu'est-ce qui se passe? Très difficile de faire teshuva. Pourquoi? Parce que c'est réel. C'est réel. Certaines pensées, certaines paroles peuvent rester au niveau de la parole et au niveau de la, comment dire, de la pensée, mais être au degré d'une action. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines actions qui ne s'appliquent pas autrement que par la parole ou qui ne s'appliquent pas autrement. Pourquoi il me fait ça? Faut que je trouve la solution. Hilal, tu es un pro des téléphones ou pas? Ah, purée. Bon, on verra. Donc, du coup, ouais, comprenez bien ça. Lorsque, comment dire, il y a certaines mitzvot, certaines actions, soit des mitzvot, soit des averot, qui sont liées, ouais, c'est-à-dire qui deviennent actions au niveau de la pensée, qui ont un réel d'action au niveau de la pensée, qui ont un réel d'action au niveau de la parole. J'explique, par exemple, la mitzvah de Emouna, et Ma'amin, dans un 15 jours, c'est des mitzvot qui se pratiquent au niveau de la pensée. Ce n'est pas des mitzvot qui se pratiquent au niveau de l'action, ou au niveau de la, comment dire, de la parole. C'est au niveau de ta pensée. D'accord? Donc, comme c'est ramené dans le Mishnah Moura, en introduction, ouais, vous lisez le premier Mishnah Moura en introduction, Mitzvot Emouna, là-bas, on a six mitzvot de Emouna, où là-bas, c'est des mitzvot qui sont liés à la marshava, qui sont liés à la pensée. D'accord? Maintenant, ces mitzvot-là, étant donné qu'elles s'expriment par la pensée, dès la pensée elle-même, elles ont un degré d'action. Elles ont un degré de maasé. D'accord? Pareil pour la parole. Certaines paroles, étant donné que quoi qu'elles se pratiquent au niveau de la parole et qu'elles n'ont pas d'autres étapes au-delà de la parole, donc elles ont déjà leur autonomie au niveau de la parole elle-même. Par exemple, le Lachonara. D'accord? Ok? Vous comprenez comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'on a, encore une fois, tout, il n'y a pas une seule chose, d'accord, qui ne passe pas ces trois étapes-là. Marshava, Dibour, Maasé. Très important d'avoir ça en tête. La pensée, la parole, l'action. Quand on parle d'action, on ne parle pas forcément d'une action vraiment. On parle d'un degré de connexion avec la réalité. Certaines pensées arrivent à avoir de l'autonomie chez nous. Ouais. Parce que justement, elles ne peuvent pas aller plus loin que la pensée. Elles s'expriment par la pensée. Il y a également, la Emouna peut avoir une autonomie chez nous. Ouais. Là, comment dire, le Lashon Hara, pareil, le Dibour peut avoir une autonomie au niveau de la parole elle-même, mais c'est un degré d'action, c'est un degré de Maasé. D'accord? Donc maintenant, lorsqu'on est arrivé au degré du Maasé, donc ce qu'on va appeler une Avera, ouais, ou une Mitzvah, peu importe, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Là, à ce moment-là, la connexion, c'est-à-dire le réel, est très fort chez nous. Et donc, on peut pas s'en défaire. On peut pas. C'est très difficile de s'en défaire. D'accord? On voit bien que quand on a fait une action, ouais, eh bien, hein, une fois qu'elle est faite, c'est devenu une réalité pour nous. C'est comme nous disent nos sages, ouais, une avéra que tu as fait une fois, elle devient permise la deuxième fois. Lorsque plus tu la pratiques, plus elle devient permise. Et après, elle est acquise. Ouais. Ok? Donc voilà. Donc c'est-à-dire, et là, c'est toute la difficulté et c'est tout l'enjeu de Yom Kippour. Tout l'enjeu de Yom Kippour, c'est celui-là. C'est arriver à percevoir nos actions, nos mauvaises actions, comme en les ramenant, c'est-à-dire en les ramenant à leur origine, au degré de ce qu'on appelle Marshava, ouais, où on peut encore se défaire de cette action. C'est-à-dire, cette action, c'est-à-dire, j'arrive à montrer, à raisonner, que quoi que l'action que j'ai produit, ouais, ben c'est pas moi. C'est pas ce que je suis. Pour ça, il faut faire un cheminement inverse. Faut partir au niveau, à partir de l'action, faut partir au niveau du maasé, ouais, et
essayer de retrouver qu'est-ce qui a pollué mon action, au niveau de la parole qu'il a construite. Une fois que je remonte ça et que je nettoie, qu'est-ce qui se passe? Je retourne à la parole qui est à l'origine de cette action. Et une fois que j'ai fait la parole, je retourne à la marshava qui est au niveau, qui est à l'origine de cette action. Et à chaque fois, je vais retrouver tous les éléments pollueurs de mon action. Pollueurs au niveau de mes paroles, pollueurs au niveau de mes pensées. Ouais, amène-moi un Rambam, s'il te plaît, une Rotchouva. Aïe, 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 aïe. Oui. Et c'est là où on va saisir pleinement l'importance. Ah, il a un problème avec l'épaule. C'est là où on va saisir l'importance, d'accord? Bonjour, ça va? Ah, je plaisante, ça va. On se détend, on se détend. Comment dire? C'est là où on va saisir toute l'importance de ce qui est, par exemple, la mitzvah du vidouille. Mitzvah du vidouille. Quand on fait teshuva, pendant toute la comment dire le moment de Kippour, on a un vidouille. Hachamnu, al chet shechatanu nefanecha beratzon, al chet shechatanu nefanecha beshogeg, al chet shechatanu nefanecha. On fait un vidouille, on exprime nos fautes par notre parole. Ouais. Pourquoi? Quel rapport? Parce que tu transformes ton action en parole. Tu reviens, tu ramènes ton action au niveau de la parole et tu exprimes ta faute. Tu l'exprimes. Ouais. Afin justement de, comment dire, de faire l'exercice de se défaire de notre faute, de se défaire de notre action. D'accord? Comprenez bien ce principe-là, il est extrêmement important. Ouais, extrêmement important. Une fois, tu avais dit que la tchouva, c'est revenir à un stade auquel la faute, c'est-à-dire dans une réalité où la faute est disposée. C'est-à-dire construire une réalité dans laquelle la faute n'est même plus une proposition. Donc ça rejoint ce que tu dis du fait de dire que. Exactement. De créer une réalité dans laquelle il n'y a pas de faute, quoi. Il n'y a pas de. Là, on est en train de, si tu veux, on est en train de révéler la technique de comment ça fonctionne dans le détail. J'explique. Comment ça fonctionne? Quelle est l'origine de la faute? Normalement, quelqu'un qui faute, il doit disparaître. Pourquoi? Pas parce, à cause d'une punition. Pas parce que Dieu, il veut se venger de toi, il va dire, hey. Parce que ça, si tu penses comme ça, si tu penses que quand tu fais une faute, Dieu, il veut se venger de toi, il veut te punir, ça veut dire que tu as une certaine autonomie, genre, tu as une certaine indépendance de Dieu. Ouais, ça n'existe pas. On n'a pas aucune indépendance du divin. Il y a la volonté d'un que je vous il n'y a rien d'autre. Donc comment ça se fait que toi tu peux exprimer quelque chose qui est inverse à la volonté de Dieu? C'est impossible. Bah, quand quelqu'un il fait une faute dans ta logique, ouais, tu fais une avéra. Bah, tu as fait quelque chose qui est inverse à la volonté d'un que je vous. Est-ce que c'est possible une chose pareille? Pas possible. Donc comment c'est possible? Et là-bas, comment on comprend ça? C'est qu'en vérité, le fait que tu puisses fauter fait partie de la volonté d'un que je vous, mais elle-même. Ah, alors là, je comprends plus rien. Ouais. Donc, reprenons les choses à l'origine. Ouais. Akadosh Baruch Hou, il a créé le monde et il a créé l'homme dans le but de faire du bien à l'homme. Maintenant, faire ce bien à l'homme implique, implique que quoi? Que l'homme puisse réceptionner ce bien. Il puisse réceptionner ce chesed, cette volonté, cette générosité. Ouais, cette générosité. Maintenant, être généreux. Ouais, nous on le perçoit en deux étapes. C'est-à-dire qu'il y a la générosité d'une personne, ce qu'elle a à te donner, et il y a la personne qui réceptionne cette générosité. Maintenant, pour être généreux, nous on pense que quoi? Que pour être généreux avec l'autre, il faut que l'autre existe avant ma générosité, avant mon désir d'être généreux. Sinon, ben, je peux pas être généreux. Je peux pas vouloir être généreux avec quelqu'un s'il n'existe pas. Ouais. Or, Akadosh, quand il a voulu créer le monde et qu'il a créé l'homme, il a voulu être généreux avant que l'homme il existe. Oh, c'est possible. Si c'est le cas, il y a un problème. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que Dieu veut être généreux, mais qu'il ne peut pas l'être. Parce que l'homme n'existe pas. Donc qu'est-ce qu'il va faire pour assouvir son propre caprice? Ouais. Eh bien, il va créer l'homme pour pouvoir être généreux. Donc ça voudrait dire qu'il y a Chol, que quoi? Que Akashmoukho aurait une volonté, un désir qu'il ne peut pas réaliser. Caprice du divin, il crée l'homme pour pouvoir réaliser ses propres volontés. C'est une absurdité, c'est pas possible, d'accord? Donc comment on comprend les choses?
on comprend qu'en vérité, son désir de générosité, c'est-à-dire sa générosité, qui est la, comment dire, l'existence même d'Akadosh Baruch Hu, d'accord, c'est elle qui crée l'homme. C'est-à-dire que la véritable générosité, c'est de faire que l'homme puisse être, puisse exister. Ouais. C'est pas en deux étapes. C'est pas que Kiviyachol Hashem, il a voulu être généreux parce que l'homme existait et donc il lui a donné. Non, il lui donne quelque chose. Ce qu'il lui donne, c'est l'existence. Il n'y a rien d'autre qui est donné derrière. Donc à chaque fois que tu fais une mitzvah, tu existes en vérité. C'est-à-dire que l'expression de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ce qu'Akadosh Baruch Hu te demande de faire, c'est d'exister. D'exister, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es généreux. Sinon, si ce n'était pas le cas, ça voudrait dire que quoi? Qu'il y aurait un doute sur ton existence. Ton existence n'est pas certifiée, elle n'est pas encore... Elle est pas... Si la générosité, l'application de la générosité d'Akadosh Baruch Hu dépendait de ta capacité à réceptionner sa générosité, c'est pas sûr que tu vas exister, c'est pas sûr que la générosité d'Akadosh Baruch Hu va s'appliquer. Or ça, c'est impossible. La générosité d'Akadosh Baruch Hu s'applique quoi qu'il arrive. D'accord? Attends, juste terminer cette idée. Elle s'applique quoi qu'il arrive. D'accord? Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu vas, Hachem sera généreux avec toi. Parce que c'est ce qui fait que tu existes. Sinon, tu n'aurais même pas de quoi penser, Bichlal. Parce que tu n'existerais pas. D'accord? Donc Akadosh Baruch Hu est généreux. Maintenant, tu vas me dire comment c'est possible que quoi? Que sa générosité passe par la possibilité d'appliquer une Avera. C'est possible. Ouais, réponse, ouais. Akadosh Baruch Hu te donne la possibilité d'appliquer une Avera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il te donne la possibilité de découvrir, de vivre, ouais, d'exister dans ce qui détruit ton existence. Sinon, ouais, c'est-à-dire, et comprenez bien ça, ça c'est la plus grande générosité qui existe. Ouais, la plus grande, le degré le plus haut de l'expression d'une générosité, c'est quoi? C'est donner la possibilité à l'autre, ouais, d'exister à travers une action qui détruit son existence. C'est ce qui lui fait découvrir qu'en vérité, ben, il est sorti de l'existence. C'est-à-dire qu'il vient à quoi a créé la possibilité de sortir d'existence pour qu'il découvre combien il existe. Ça, c'est une générosité incroyable. C'est-à-dire que même lorsque tu fais une Avera, en vérité, Akadosh Baruch Hu te donne la possibilité d'exister à travers cette Avera. Ouais, ça fait partie des 13 minutes à Rachamim. Ouais, quand vous lisez le Tomer Devora, le Ramak explique ça de manière très claire. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu Kiviyachol alimente ta Avera. C'est un récit incroyable. Quoi, mais comment tu peux alimenter la Avera d'une personne? C'est pas ce que tu veux. Il alimente la Avera d'une personne parce qu'en vérité, ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu, c'est il te fait exister. Ça, la seule chose qu'il fait, c'est te faire exister. La seule action qui y est, c'est te faire exister. Donc chaque chose que tu fais, c'est pour exister. Maintenant, pour exister, Akadosh Baruch Hu, il t'a donné dans ton existence la possibilité de découvrir la destruction même de ton existence, le néant même. C'est-à-dire vivre dans le néant, vivre dans l'absence d'une existence. Vivre ce traumatisme-là à travers nos Averot, c'est en vérité découvrir, c'est avoir la possibilité de découvrir que quoi, que ce que je fais me fait disparaître. Vivre l'expérience de sa propre disparition, existence, extrêmement fort. Et comment tu fais pour prendre pleinement conscience de ça, pour t'en sortir totalement? Deux choses. Une, soit tu es intelligent et tu réfléchis en amont, soit tu prends le mur. Il y a plein de gens qui prennent le mur. C'est-à-dire, plus tu vas t'entêter dans ta Avera, plus ta Avera va t'amener à faire l'expérience de ta propre disparition. Comment expliquer qu'on puisse continuer à être dans le mur, malgré ta pulline? C'est ce que je suis en train d'expliquer maintenant. C'est-à-dire que le degré de connexion avec notre action est tellement fort qu'on pense que c'est le réel. Mais pour se détacher, ça demande quelque chose d'énorme. Soit ça demande une prise de conscience. À un moment donné, ça fait mal. Ouais, le type, paf, il prend dans la figure et il réalise que quoi que ce qu'il fait, bah, c'est en train de le détruire. Ah. Ouais. Sinon, bah, t'es mesquin. T'es mesquin. C'est l'enjeu de l'humanité. C'est l'enjeu de... Mais quoi qu'il arrive, t'existes. C'est-à-dire, ça, c'est impossible. Ouais. C'est le principe de Triat Amitim. Le principe qui est à l'origine, c'est-à-dire qui est la base de la Emouna du clan Israël, c'est ce qu'on appelle la résurrection des morts. C'est-à-dire qu'il n'existe pas quelque chose qui meurt, c'est impossible. Tout vit. Il n'y a rien qui meurt, rien. Tout vit. Maintenant, toi, tu vois la mort, pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu est chesed avec toi, il te fait exister dans ta mort.
C'est-à-dire qu'il te donne la possibilité de mourir pour faire l'expérience de la disparition de ton existence. Ce à quoi tu es à son origine, par ta faute. Quelle est l'origine de la mort? C'est la faute. Adam Arishon, il a fauté. Puisqu'Adam Arishon, il a fauté, donc il a produit la mort. Produire la mort, c'est pas le fait que quoi que l'homme disparaît. Produire la mort, c'est faire l'expérience de sa propre disparition à cause de ses propres actes. Mais quand, par exemple, tu te sépares totalement de cette grande action qui était liée ou que tu as vu quelque chose, et que ça te rend quand même mal, justement, cette absence que tu n'es plus dans ça. Genre, c'est qu'en soi, l'action, elle est vraiment trop réelle, que ça demande un travail... Elle est trop réelle parce que tu lui as donné de la réalité. Maintenant, si ta souffrance ne t'amène pas à prendre, comment dire, du recul avec ce mensonge, avec cet imaginaire, ouais. Et ben, c'est que t'es malade. C'est un homme malade. Ouais. Ça arrive des gens qui ont malades. Sont malades. Même le guénon. Il faut guérir. Il faut accepter de ne pas souffrir. Il faut accepter de vouloir vivre. Oui, mais si tu souffres et que tu continues à aller dans le sens de ta souffrance, c'est que tu peux rien faire. Là, ça s'appelle un tipèche. Et tu pêches, il n'y a pas de date. Réchauffer avec la bagne. Si tu continues, malgré cette séparation, tu continues à souffrir, c'est qu'en soi, tu le veux encore. C'est bah oui, c'est que tu aimes ça, en fait. T'es sado. Ouais. J'ai une question. C'est-à-dire que même, par exemple, on parle beaucoup de ce qui. On parle beaucoup. On entend souvent tout ce qui est les punitions, on va dire, gain homme, etc. C'est-à-dire que même là-dedans, au final, l'homme existe. C'est-à-dire que les dadaïs, ça n'existe pas. À quel jour quoi créer, donc ça existe. Ça n'existe pas quelque chose qui n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc la souffrance, c'est d'être détaché, se prendre conscience qu'on s'est détaché de l'existence, tout en existant. C'est-à-dire que Akashvuru te donne la possibilité de faire l'expérience, c'est-à-dire de vivre dans l'existence, l'absence d'existence. Mais ça, c'est une souffrance, c'est terrible. Ben, bien sûr que c'est une souffrance, évidemment, c'est une souffrance. Mais c'est une souffrance, mais t'existes. Ça n'existe pas de ne pas exister. Akashvuru, il a créé. C'est le plus grand reset. C'est-à-dire que même si tu souffres, c'est un reset. Parce qu'il n'y a pas une plus grande. Comment dire? C'est beaucoup plus grave de ne pas exister que de souffrir. Mais nous, on va dire non, mais non, bien sûr que non, je préférais ne pas exister. Bah, tu sais pas c'est quoi ne pas exister. Ne pas exister, c'est que tu n'existes pas, tu es absence zéro, walou, tu n'existes pas. C'est bien pire que de souffrir. Juste, tu peux répéter, Hachem, il donne la possibilité à l'homme. Le recette, d'accord, je crois, c'est d'exister et tu vas exister malgré toi. Tu n'as pas le choix d'exister. Le propre même du chesed, la définition d'une générosité, c'est quoi? C'est que la générosité, c'est te donner ce qui est bon pour toi malgré toi. La pitié, c'est te donner ce qui est bon pour toi comme tu penses qui est bon pour toi. Ça, c'est de la pitié. Ouais. Il n'y a pas plus cruel que la pitié. Ouais. Il agit comme ça ou... Hein? Il agit comme ça? Non. Comment dire? La pitié est cruelle. Pourquoi? Parce qu'elle peut te donner... Ouais. Quelque chose qui n'est pas bon pour toi juste parce que tu le veux. Non, mais t'as pitié, tu lui donnes. Ouais, bon, il est en train de souffrir, je lui donne. La pitié est cruelle. Mais en soi, il agit aussi par pitié. Parce que non. Non, mais par exemple. Non, sa pitié est chesed. Écoute bien ce que je te dis. Sa pitié, elle est chesed, elle est générosité. Tout ce... la source même de tous ces midot, c'est le chesed. Maintenant, le chesed produit, toutes les autres midot. S'il y a pitié, s'il y a rahmanout, la rahmanout ici n'est que l'expression de sa générosité. Il n'y a de rahmanout que dans sa générosité. Or, la générosité, c'est te donner ce qui est bon pour toi malgré toi. Entends bien ce que je te dis. Mais ça ne peut passer par la souffrance. Bien sûr, évidemment. C'est pas forcément par tes actions à toi. Cette souffrance, ça peut être une époque qui peut t'envoyer, par exemple. Quoi? Oui, mais ça peut être n'importe quoi. C'est comme un enfant. Un enfant, tu lui dis, non, tu n'auras pas de bonbons. Lui, il croit que tu es en train de le faire souffrir. Il croit que tu es un cruel. Il croit que tu es un assassin. Ouais. Mais quand tu viens et que tu lui dis, ouais, mais non, ça va te détruire les dents. Ça va te massacrer. Alors, à la fin, quand il grandit. C'est-à-dire qu'en soi, la véritable souffrance, c'est prendre conscience. Qu'on souhaite exister là où il n'y a rien plutôt qu'exister là où il y a quelque chose.
Exactement. C'est pas prendre conscience. La souffrance n'existe que parce que on veut vivre notre disparition. C'est-à-dire qu'on cherche à continuer à vivre notre propre disparition. Quelqu'un, il souffre pourquoi? Parce qu'il s'entête dans un chemin. C'est juste l'entêtement, quoi. Ah oui, c'est l'entêtement. Il souhaite faire vivre ce qui est de toute façon. Tu veux faire vivre quelque chose qui est mort, tu continues, continue. Il y a possibilité de vivre là-dedans. C'est l'existence. Ouais, c'est l'existence. C'est totalement. Il est aussi fort dans l'illusion que tu t'es mis. Il est à la hauteur de l'illusion que tu t'es mis. Bah oui. Mais un homme, des fois, c'est très difficile de se défaire de son démiurge, de son imaginaire. Par Pourquoi? contre, Parce c'est. que il a construit cet imaginaire. Et c'est une action qu'il a réalisée. Pour se défaire d'une action, il faut soit une prise de conscience, c'est-à-dire une teshuva, ce qu'on va appeler. On va voir comment ça fonctionne, la teshuva. Ou un choc, ou comment dire. Il y a plein de choses qui peuvent amener un homme à réagir. Et des fois, ne pas réagir. Regardez, prenez l'exemple de Rabbi Eliezer ben Dourdaïa. Ouais, Rabbi Eliezer ben Dourdaïa, qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi son histoire à ce monsieur? Qu'est-ce qui se passe? Il est attiré par les femmes. Ouais, comme beaucoup d'hommes. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Lui, il en fait un. Comment dire un. Il en fait un. Comment dire un palmarès. La Gemara raconte que quoi? Il a collectionné toutes les prostituées de. Comment dire qu'il y avait dans le monde. Et donc toute sa vie, c'était quoi? C'était chercher les prostituées et aller avec chacune. Ouais, et faire des palmarès. Et je suis allé avec celle-là, je suis allé avec celle-là. Et à chaque fois, il montait de degré, les plus connus, les plus chers, les plus machins, etc. Jusqu'au jour où il lui reste une, où c'est comment dire, la plus connue, la top des tops, etc. Ouais. Donc il arrive, il économise, il paye un prix très très fort. C'est sa dernière, c'est son, comment dire, c'est le podium. Ouais, il est sur la première place sur le podium. Donc qu'est-ce qui se passe? Il va avec elle. La Gemara, elle raconte quelque chose de très surprenant. Et tu vois combien la Gemara n'a aucune gêne à raconter ce genre de choses, ouais, parce que évidemment que l'objet c'est la chorma, c'est la sagesse, ouais, et que il y a aucun problème de raconter même la comment dire la comment dire la bassesse et la comment dire les ce qu'on garde secret de manière générale, ouais, la Gemara va raconter qu'est-ce qu'il y a. Maintenant qu'est-ce qu'elle raconte la Gemara? Il va avec cette femme là et au milieu de sa relation avec cette femme là, qu'est-ce qui se passe? La femme, elle lâche un vent. Ouais, comme ça, la Gemara, elle raconte. Elle lâche un vent. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, tu sais, t'es comme ce vent-là, toi, en fait. Ouais, t'es comme ce vent. Tu vaux pas plus que ce vent-là. Il dit, parce que toute ta vie, comment dire, ta vie, elle vaut rien, en fait. Toute ta vie, t'as couru. Pam! Ça lui fait un choc dans sa tête, le mec. Rabbi Eliezer ben Dourdaïa, il prend un choc dans sa tête. D'un coup, il se retire de cette femme-là, il se met à part, il commence à se recroqueviller sur lui et à pleurer, 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 pleurer. Qu'est-ce qui se passe? La Gemara raconte que quoi? Qu'il a tellement pleuré qu'il en est mort. Ouais. Et une voix est sortie du ciel en disant, tu t'appelles pas, c'est pas, tu es Rabbi Eliezer ben Dourdaïa, tu es accepté dans le Olam Haba. Ta teshuva, elle est validée. Ouais. Quand tu regardes ces Gemara, pose-toi une question. Qu'est-ce qui lui est arrivé d'un coup? C'est-à-dire quoi? Il a fait des milliers de prostituées. Il est arrivé à celle-là qui lui a balancé une bêtise sans nom. D'accord? Et là, paf, il est choqué. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi un choc d'un coup? Qu'est-ce qui t'a réveillé d'un coup? Ouais, toute ta vie, tu t'es investi sur du vent. Maintenant qu'elle te dit que t'es du vent, qu'est-ce qu'il y a? Où il est le choc? Écoutez bien ce secret. Ouais. Le choc, il est parce que dans toutes les autres aventures qu'il a pu avoir, il était au milieu de son aventure. Il savait qu'il y avait d'autres étapes après, dans son aventure. Il était à la prostituée numéro 52, il savait qu'il y en avait encore 200, ouais, derrière. Mais là, il était à la dernière. C'était la dernière qu'il devait faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il sait pas quelle va être l'étape d'après, en vérité. Maintenant qu'il a atteint dans ce monde le maximum qu'il pouvait atteindre dans ce qu'il cherchait à atteindre, ouais, au moment où il est dans la dernière, s'exprime l'idée qu'il est qu'un vent. Là, c'est un choc fatal. Pourquoi? Parce qu'il dit, mais qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je suis après? J'ai plus rien. C'est-à-dire, il n'y a plus de prostituées maintenant. Ce sur quoi tu as investi toute ta vie, ton Yetzer Hara, ton machin, ton truc.
Il n'y a plus rien, l'étape d'après n'existe pas. C'est pour ça qu'ici, ça l'a choqué. Ça l'a choqué au point de comprendre, de saisir qu'il n'était rien. C'est-à-dire que toute sa vie, il a vécu la destruction de son existence, la disparition de son existence. Paf, le choc, il est terrible. Il était tellement, il était tellement attaché à ses averot, ouais, que il n'a pas pu faire tchouva et vivre. Il n'a pas pu se défaire de ses actions complètement. Son pleur a provoqué sa mort. De toute façon, quand tu vois plus de projection vers une situation, vers une faute, c'est là que ça... Mais les gens, ils font tchouva à quel moment? Ils font tchouva lorsqu'ils comprennent que quoi? Que ce sur quoi ils ont investi toute leur vie, c'était du blabla. C'était du vent. Donc plus, tu vois, toi, toute ta vie, tu sais quoi? Tu vas, tu... Oui, trop fort. Ouais. C'est encore possible d'avoir des tchouva aujourd'hui? C'est ça, comme ça? Bah, il faut espérer pouvoir faire tchouva et continuer à vivre. Mais bien sûr que tu peux, bien sûr. Chaque tchouva, elle est... Oui, au final, il sert sa tchouva et une tchouva sur laquelle il ne pouvait pas... Il n'y avait pas de continuité. C'est une tchouva dans un sens-là. Lui, il n'arrivait pas, il était trop connecté à ça. Il était, au final, ça aurait été une plus grande tchouva s'il avait... Pas une plus grande, mais en tout cas, ça aurait été... L'opportunité pour lui de vivre derrière ça. Bah, ça aurait été peut-être préférable, mais en tout cas, voilà, il n'a pas pu. Le choc était trop fort. Parfois, la teshuva, c'est un choc. Pourquoi? Parce que tu découvres qu'en vérité, comprends bien la psychologie. C'est-à-dire que tu es tellement attaché à un modèle d'action, à une existence, à un réel, que te dire que tout ça, c'est pas réel, bah, c'est un choc terrible. Comment c'est possible que tu peux avoir une vision claire avant des choses? Et que par la faute, ce genre de choses, bah, toute ta vision du monde, et bah, elle s'est rendue faussée, en soi. Bah, c'est possible à cause justement de cette pollution que tu as laissé traverser entre ta marchava, entre ta pensée et ta parole, entre ta parole et tes actions. Au fur et à mesure, tu introduis des éléments qui vont perturber la réalisation de tes actions. Et pour reprendre justement le fil d'avant, on va dire un peu, ça passe... Ça ne doit pas passer par la pensée, ça doit d'abord passer par l'action. Non! Ça passe par là que par la pensée d'abord. Non! Ça passe par quoi? Non. À l'origine de ton action, il y a une pensée. Maintenant, lorsque l'action existe, tu dois refaire le chemin inverse. C'est-à-dire défaire ton action à une parole et retrouver quelle était l'origine de cette action. Trouver, redéfinir quelle était la parole de cette action et la retravailler. Ensuite, de cette parole-là, revenir à la marchava, à la pensée qui est à l'origine de ta parole. Et donc déconstruire doucement tout ce qui a pollué la réalisation de tes actions. Mais ça, pour ça, écoute bien ce que je te dis. Ça demande un travail minutieux, patient, et honnête. Ça veut dire avoir les yeux en face des trous par rapport à ce que tu es, ouais, et ta vie, et qu'est-ce qu'il y a. C'est-à-dire, ici, toute ta vie, elle est engagée. Toute ta vie, elle est engagée. Parce qu'en vérité, nous, on est le résultat de quoi? On est le résultat d'un environnement. On est le résultat d'une cellule familiale. On est le résultat d'amis. On est le résultat d'une éducation, etc., etc. Tout ça, ouais, amène des perturbations. Des paroles, des expressions, tout ça. Et donc, nous, au bout d'un moment... tu dois arriver à reconstruire tout ça, à faire un tri dans tout ça, à remonter depuis ton action que tu réalises aujourd'hui, sans savoir trop pourquoi au final, ouais, ce pourquoi tu es attiré, et déconstruire cette action, revenir à une parole, redéfinir une parole saine. Ouais, c'est pour ça que l'étude de la Torah est d'une importance capitale, parce qu'elle réunit les trois niveaux, l'action, la parole et la pensée. C'est elle qui remet en ordre, ouais, tout. Alors, le monde dans lequel on vit est extrêmement perturbé. Vous imaginez que ça, c'est à l'échelle d'un homme et à l'échelle d'une vie, cette perturbation. Mais imaginez-vous à l'échelle de l'humanité et au niveau des générations qui sont passées. Ouais. C'est-à-dire que ça fait des générations et des générations, ouais, qu'on engendre une réalité faussée qui amène à des réalisations d'actions qui sont complètement perturbées et polluées par des milliers d'années. Donc faire teshuva à l'humanité, ça voudrait dire déconstruire tout ce temps-là, ouais, revenir à démarrer à partir de nos actions et savoir quelle était l'origine
de ces actions-là, c'est aller fouiller dans le, comment dire, l'engendrement générationnel, ouais, et comment dire, et découvrir quelle était leur Yetzera. C'est ça qu'on dit Yeridat Adorot, la, comment dire, la chute des générations, la chute vraiment, comment dire, douloureuse, ouais. C'est que toi, tu vis dans une génération et tu as hérité de la perturbation des générations précédentes. Ce qui fait que quoi, que tu fais des actions qui aujourd'hui sont complètement fausses et irréelles. Pour aller déconstruire tout ça, ça demande un travail énorme. Donc, faire tes chouva, c'est démarrer de l'action que l'on réalise et revenir reconstruire une parole saine. Ça demande un travail énorme. La parole, puis la pensée. Tu ne sais pas comment ça fonctionne. Tu ne sais pas. Tu vas comprendre dans un texte de Gemara, ou des fois ça peut comprendre, tu ne sais pas comment l'entraîner dans ta vie, parce que tu dois tout déconstruire un texte, tu dois aller chercher le... les secrets de ce qui. Comment dire, quand tu étudies Gemara, en réalité, il faut savoir comment ça fonctionne. L'homme, ouais, l'homme, il est fait de 248 membres et 365 tendons. C'est-à-dire que le corps de l'homme et sa structure est à l'image des mitzvot. D'accord ? C'est-à-dire que ce qui est en amont du corps et ce qui est le plan du corps, c'est les mitzvot. Ok. Maintenant, lorsque tu fais une mitzvah, tu ne connais pas la raison. Mais lorsque tu fais une mitzvah, tu crées une connexion entre ton corps et l'origine de ton corps. Sans le savoir. Ça, ça crée une réaction chez toi. D'accord ? Qui va te faire prendre conscience, c'est-à-dire pas prendre conscience par la réflexion, mais prendre conscience par l'effet de la mitzvah qu'elle a sur toi. Ouais. Qu'est-ce qu'elle met en mouvement? Être attentif à ce que la mitzvah met en mouvement chez l'homme. Tu mets les tefillin, tu ne peux pas expliquer ce qu'est les tefillin, mais que lorsque tu les mets, et que tu es attentif, que tu es lishma, tu es sincère, tu donnes toute la concentration qu'il faut à cette mitzvah, alors... elle recadre. C'est comme si tu recadrais l'homme en face de ce qu'il est. Comment tu peux recadrer, ouais, quelque chose, si je... Lorsque la connexion se fait, mais ça, c'est, ça se fait malgré toi. Il suffit juste d'être attentif, c'est tout. C'est-à-dire, lorsque la reconnexion se fait, alors à ce moment-là, il y a des passages qui se font. L'homme se rééquilibre. Ouais. Malgré soi, il se rééquilibre. Cette générosité passe mieux. Ouais. Donc du coup, à ce moment-là, il y a une, comment dire, une élaboration de la pensée, d'accord, qui n'est pas une analyse, ouais, c'est-à-dire la pensée n'est pas le résultat d'une analyse et d'une réflexion. Elle est ni plus ni moins que quoi, que l'émanation d'une reconnexion avec le réel. D'accord. Lorsque tu te connectes, lorsque tu fais une mitzvah, il y a une connexion qui se fait. Tu te, comment dire, tu, c'est comme s'il y a un rééquilibrage qui se fait. D'accord. Et au fur et à mesure, dans l'investissement que tu donnes par confiance, par fidélité à la mitzvah, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tu découvres, ouais, le réel tel qu'il est. C'est comme si on te redonnait à voir. C'est-à-dire, toi, maintenant, tes yeux, ils ne voient pas parce qu'ils sont perturbés, ils ne sont pas en phase, ils ne sont pas en équilibrage total. Donc, tu vois pas bien. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On te fait un traitement que... comment dire, les choses se rééquilibrent comme il faut, et puis oh, d'un coup tu vois la lumière, tu vois les couleurs, tu vois les... Tu vois, et c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. D'accord. Donc lorsque... C'est-à-dire, des fois on réfléchit trop parce qu'on se pense intelligent, mais en réalité, les solutions, ouais, les solutions ne sont pas dans ton intelligence et dans ta réflexion. Les solutions, elles sont dans l'effort à l'application et à la fidélité, et surtout à la reconnaissance que ce que l'on est, ce qu'on a à faire, ouais, est déjà, comment dire, imposé par un réel qui nous précède. D'accord. Donc ça, c'est l'action que l'on fait crée une perturbation. D'accord. On a des actions qui sont perturbées. Nos réalisations ne sont pas le réel. Ouais, c'est ça là, une avéra. Une avéra, c'est s'obstiner à une action qui n'est pas le réel. Et à que je crois, à définir le réel. Le réel, c'est la mitzvah. C'est la mitzvah. Tu fais pas la mitzvah, t'es pas dans le réel. Tu fais pas Shabbat, t'es pas dans le réel. T'es dans l'irréel. T'es dans l'irréel. Ouais, mais tu dis oui, mais t'es dans l'irréel. C'est ça qu'il faut comprendre, comme on l'a dit. Ouais, l'argument de faire Shabbat, par exemple, ou autre chose,
Ce n'est pas du tout de dire oui, tu comprends, tu as un environnement qui est idéal pour faire Shabbat parce que ça fonctionne bien. Dans certaines sociétés, il y a des gens qui disent oui, moi quand je serai en Israël, je ferai Shabbat parce que là-bas c'est plus facile. Ouais, là-bas c'est adapté. Ouais, mais c'est-à-dire tu feras jamais Shabbat de ta vie en fait. Ça s'appelle pas faire Shabbat ça. Ça s'appelle avoir un dimanche dans lequel tu es tranquille. Ouais. Maintenant, comment dire, faire Shabbat, c'est quoi? C'est saisir que quoi? Que tu sors c'est-à-dire, tu rentres dans une nouvelle réalité, tu rentres dans un nouveau monde, tu rentres dans une nouvelle considération, tu rentres dans une redéfinition du réel. Ton réel à toi est perturbé. Tu crois que quoi? Que si tu vas pas travailler, tu n'auras pas ton argent, tu pourras pas faire des mitzvot. Bonjour, ouais, mais tu comprends, si je travaille pas Shabbat, ben, je mangerai pas kasher parce que j'ai pas assez d'argent pour acheter kasher. Ouais. Ouais, donc, comment dire. Mais il y en a, ce que je te dis, c'est la vérité, je l'ai entendu, ouais. Je pourrais pas faire Pessah alors, je pourrais pas acheter mon loulav, ouais. Pourquoi tu me parles? Maintenant, ça, c'est de l'imaginaire. C'est l'imaginaire qui est construit par la société dans laquelle on vit. Donc, du coup, pour déconstruire cet imaginaire-là et revenir dans un réel où les choses sont équilibrées comme il faut se reconnecter à. D'accord? En soi, par exemple, toute faute ou tout déséquilibre en soi ou toute vision faussée du monde, c'est tout simplement que tu peux même faire les mises en mais dans une habitude et tu es dans l'observation du tout. Et quand tu es dans une connexion, toute la fin d'observation, d'attention. Ah, ben c'est ça, c'est-à-dire donc une finalité en fait. il faut être spectateur de ce que HM nous donne. Ouais. Or, être spectateur de ce que HM nous donne, c'est avoir comment dire, un degré d'observation de soi et de l'effet du réel sur soi. Qui est indispensable, indispensable. Maintenant, tous ceux qui sont en dehors de la mitzvah, ce sont ceux qui ont oublié de regarder ce qu'ils sont. D'accord? C'est tout ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Ouais. Maintenant, comment dire, le processus de la teshuvah, et c'est ça qui est intéressant ici. Ouais, on va voir. Voilà. Regardez ça. C'est incroyable comment le Rambam, il vient et il nous dit, c'est-à-dire d'après le schéma qu'on a donné, ça explique vraiment toutes les étapes de la Teshuvah. Regardez ce qu'il dit. On va lire quelques halakhot du Rambam dans les Teshuvah, Perek Sheni. Ouais. Ezo'i Teshuvah Gmura. C'est quoi la Teshuvah complète? Zeshebal Yado Davar Shavarbo. Ce serait une situation dans laquelle se représenterait à lui bah, la Avera. Ouais. Des charves et à dos la saute et il a la possibilité de la faire. Ou pirèche, il ne la fait pas. Vélo à ça. Lui peut un tchouva parce qu'il a fait tchouva. C'est-à-dire, vérifier comment dire, la qualité d'une tchouva complète, c'est d'être sûr que quoi que si la faute se représentait à toi, tu la ferais pas. D'accord? L'homme ira, mais l'homme cachelon, quoi. Et bien entendu que la motivation à ne pas faire cette avéra-là, ce serait ni la peur, ni la faiblesse. Ketsad, comment? Arecheba Alisha Be'avera. Il est allé avec une femme avec par une Avera. Ou la Harzman Itiached Ima. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé dans la même situation. Be'omed Be'avato. Ouais. Ba, ou Be'kwar Gufo, Be'medina Shavarba, ou Pirash, etc. Il retourne pas avec elle. Ou Be'medina Shavarba, ou Pirash, Ve'lo'abar. C'est où Ba'at Shuvagmura? Ouais. Maintenant. Ou chez Shlomo Omer. Ou Sfarad Borecha Be'imim Achotecha. Adachar lo yavu yimei ha-ra'av, igu shnaim, asher tomar, en li ba'em chefet. C'est se retrouver dans une situation où tu dis non, ça je le désire plus, je veux plus, ça m'intéresse plus. Ve'im lo shav elav yimei zaknuto. Maintenant, si il fait teshuva quand il est vieux. Ouais. Ou be'etch, yefchar lo la'asot ma she'aya osé. Ou alors dans un moment où il n'a plus la possibilité d'appliquer cette avéra-là. Ouais. Afalpi she'ena tshuva me'ula, même si ce n'est pas une tshuva top. Ouais. Malgré tout, Moëlet, elle marche, ou Baal Tshuva, ou il est considéré comme un Baal Tshuva. Afilou Avar Kol Yama, Ve Asa Tshuva, Bayam Mitato, ouais, ou Med Bitshuvato, Kol Avotam Yom Chayim. Même si toute sa vie il a fait la Vera, mais à sa mort il fait Teshuva, alors ça marche. Etc.
Ou Maya Tchouva, c'est quoi la Tchouva? Ce qui m'intéresse, c'est la suite. Ou Shiyazov Achote, c'est que le fauteur abandonne Cheto, sa faute. Yassirena Mimar Chapto, écoutez bien le langage. Il va abandonner sa faute. C'est-à-dire, il a une action, il abandonne sa faute. Mais quoi? Yassirena Mimar Chapto. Il va l'écarter de sa pensée. Veyigmor Belibo Shelo Yassirot. Il va conclure dans son cœur, il va entériner dans son cœur qu'il ne la refera plus. Vous avez vu les trois étapes? Il ne fait plus la faute, il ne la fait plus. Il redéfinit sa pensée, il écarte de sa pensée cette action et il termine dans son cœur c'est sa parole, il termine dans son cœur, il entérine dans son cœur que quoi? Qu'il ne la refera plus. Ça veut dire quoi? Terminer dans son cœur, il ne la refera plus. Il ne la fait pas. Il ne l'a pas fait. Non, dans son cœur, il faut qu'il termine. Il faut que dans son cœur, ce soit clair. C'est-à-dire, dans son expression, dans ses sentiments, dans ce qui émane de lui, il n'y a plus le désir de faire l'action. Le type, il a dit, oui, moi j'ai fait teshuva, mais c'était bon. Hein. Honnêtement, si c'était à refaire, ok, c'est quoi ça? C'est pas une question d'ordre. Hein. Non. Bien sûr que l'ordre, c'est toujours ce que j'ai précisé. Moi, l'ordre, c'est l'action, la parole et la pensée. Mais là, ici, ce qu'il veut dire, c'est quoi, hein? C'est juste le processus de la teshuva. Chez Neymar, il y a un zobra shadako, be'ish, oh, marche vota, vechen yachem al shava. Il faut qu'il regrette ce qu'il a fait. Le passé, chez Neymar, qui a fait choubi nechamti, va faire od, et il s'y pacte à l'irère. Et à que je vous témoigne sur lui, que quoi qu'il ne reviendra plus sur sa faute. Il faudra qu'il fasse un vidouille par ses lèvres. Ouais, il faut qu'il exprime tout ce qu'il a voulu mettre en place dans son cœur. Quand la mitvade bedvarim et logamar belibo la azov, arezedome le tovel vesherez beyado. Tout celui qui exprime par la parole, et t'as vu, il associe la parole avec le cœur, très important. Il ressemble à quelqu'un qui va se tremper avec son chéret, avec son reptile dans les mains, où il garde bien entendu son impureté. Chenat, il ne peut pas se tremper tant qu'il n'a pas jeté. Donc il faut, vous savez, c'est bizarre comme il dit. T'es mitvadé, mais tu termines dans ton cœur. Mais tant que t'as pas terminé dans ton cœur, ton vidou ne sert à rien. Ouais. C'est-à-dire que ça vient ensemble. Ça vient ensemble. Pourquoi t'as besoin de dire par les mots? Pourquoi t'as besoin de dire par les mots? Parce que l'action que tu fais est trop fortement liée à toi. Donc pour se défaire de cette action, déjà premièrement, faut plus la recommencer. Mais t'es lié à l'action. Mais il faut exprimer par la parole, le vidouille, exprimer par la parole. Mais cette expression de la parole doit être connectée par une prise de décision dans son cœur, ouais, de ne plus jamais recommencer. Mais je ne le fais pas, je ne suis pas en train de le faire. Dans ton cœur, il faut que dans ton cœur, c'est quoi dans ton cœur? C'est les fameuses stations qu'on a définies. C'est-à-dire qu'il y a la station de la pensée, la station du cœur, c'est-à-dire la station de la parole. C'est-à-dire que tu viens et ce que tu vas exprimer, ce que tu parles, ce pourquoi tu te bats, c'est de la Torah, c'est pas... Ouais. Mais la pensée, c'est... Vous devez retenir la pensée, ça va se transformer par l'étude, ça peut pas être une simple juste prise de conscience. Ça peut bien entendu être une prise de conscience, mais évidemment qu'une teshuva qui n'est pas alimentée par de l'étude, ça reste une teshuva, qui peut être fragile. L'étude, c'est elle qui va donner de la profondeur à ta teshuva, c'est elle qui va l'étoffer, qui va la garantir, ouais. Comme on l'a expliqué, ce qui est à l'origine de la teshuva, c'est la Torah. Encore une fois, Yom Kippour, c'est pas un jour de pardon et de teshuva. Yom Kippour, c'est le don de la Torah. C'est le don de la Torah. C'est-à-dire que quoi que lorsque Akadosh Baruch Hu t'a pardonné, il t'a donné la Torah. C'est ça le pardon. Le pardon, c'est qu'il t'a donné la Torah. C'est-à-dire que cette Torah-là, c'est elle qui te guérit. Ouais. Ce qui est premier à la Teshuvah, c'est l'étude. Ce qui est premier à la Teshuvah, c'est l'étude de la Torah. S'il n'y a pas l'étude de la Torah, il n'y a pas de Teshuvah. Ça n'existe pas. Maintenant, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ce qui est premier à la Teshuvah, c'est l'étude? Parce que l'étude, encore une fois, ce n'est pas un savoir. Ce n'est pas une réflexion. C'est une connexion.
C'est-à-dire, étudier, c'est se connecter avec Dojo Pro, s'être en lien avec lui. Donc, si tu ne démarres pas par le lien, alors ouais, comment expliquer? C'est-à-dire que la teshuva, elle est, comment dire, elle est antérieure à la faute. Un homme, il doit faire teshuva avant de fauter. C'est quoi faire teshuva avant de fauter? C'est exactement ce qu'on exprime. C'est saisir que quoi? Que tout ce que tu mets en processus de réalisation par la pensée, la parole, ouais, et l'action est défini par ce qui t'a été donné, par cette volonté qui t'a traversé, c'est-à-dire la générosité qui a précédé ta pensée, qui a précédé ta propre volonté. Donc la teshuva, c'est d'accepter que ce que tu réceptionnes, ouais, préexistait à ta réception. Ça, c'est faire teshuva. Donc faire teshuva, en vérité, c'est revenir à Akadosh Baruch Hu avant même de fauter. Si tu attends la faute, ouais, alors la faute va bien entendu exprimer ce qu'on a exprimé, c'est-à-dire être dans la destruction de sa propre existence et donc faire l'aveu que quoi? Que la teshuva est nécessaire avant de fauter. C'est revenir à la réalité avant la faute. Là, donc la parole, pensée, action, soit en incohérence l'un avec l'autre. C'est-à-dire que je peux penser une chose qui n'a rien à voir avec ce que je fais et qui n'a rien à voir aussi avec ce que je parle. Même les deux peuvent se contredire. Bah bien sûr, tu peux, bien sûr, bien sûr. Tu peux, bien sûr. Mais est-ce que à Kippour, en fait, tu veux être dans une position de réception de la Torah, dans un but de te rétablir toi-même, de prendre. Réception de la Torah, ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter, revenir à ce qui est à l'origine de ta pensée, de ta parole et de tes actions. Oui, mais Rochelle, tu avais dit dans un cours que tu dois poser Rochelle aussi quand quelque chose que la foi est séparée de toi aussi, que c'est Non. quelque chose qui est à part. Ça, c'est dans la pédagogie de la Teshuvah. C'est-à-dire que quoi? Que d'abord, en premier lieu, c'est pas de se soucier de ce qui va devenir de toi. C'est d'abord avouer la vérité. Être émettre, proclamer et comment dire et faire l'aveu de la royauté divine. Maintenant, ce qui va devenir de toi, c'est un détail. Une fois que tu as passé par cet aveu-là, ce qui compte, c'est que tu puisses profiter de cette malchoute, profiter de cette royauté, exister dans cette royauté. Or, l'homme, même s'il fait l'aveu, il est sale de ses avérotes. C'est ce que je suis en train d'expliquer maintenant. C'est-à-dire que tu es tellement sale de tes avérotes que tu y es attaché. Même si tu reconnais la royauté d'Akashvoukou, mais tu y es Et attaché. tu vas Donc, reconnaître, comme. tu es attaché à tout ça. Bien sûr que tu reconnais, tu sais que tu es sale. Mais si je pense que tu sais côté ça, comment tu reconnais une royauté qui est complètement séparée de toi, qui est Mais non, complètement. tu reconnais qu'Akashvoukou il est roi, seulement tu sais que tu es faible. Mais Tu si sais que tu es je sale. le mieux de reconnaître une royauté, c'est justement de la faire Ça, vivre. c'est une chose, oui, bien sûr, mais ça, c'est dans la réalisation. Mais tu n'en es pas capable. Justement. Donc, pour être capable de ça, il faut d'abord se nettoyer. Parce que sinon, ça fait un poids énorme que tu pourras pas, duquel tu ne pourras pas te défaire. C'est la fameuse expérience de. Ouais. Ben non, là, comment dire, vous voyez comment ça fonctionne. C'est-à-dire que la teshuva, c'est faire la réception de la parole de la Torah, c'est revenir à la réception de la Torah, en admettant, en reconnaissant que quoi? Que c'est ce qui est à l'origine de ta pensée, à l'origine de tes actions. Et à l'origine de ta parole et à l'origine de tes actions. Ouais. Revenir à la Torah comme étant l'origine de tout ça. Tant que tu es encore dans l'idée que ton action, ouais, se construit à partir de ta pensée, de ton action, de ta parole, ouais, et que tu n'acceptes pas que ce qui a précédé tout ça, c'est la parole de Torah, alors à ce moment-là, tu ne peux pas faire ce choix, c'est impossible. Impossible. La teshuva, ce n'est pas une amélioration de l'homme. Ouais. C'est-à-dire comme les gens ont voulu me faire croire, comme ce que les Baalé Moussar, certains Baalé Moussar, comment dire, se saisissent de cette expérience-là, en pensant que quoi que la teshuva, ce n'est qu'une amélioration de l'homme. C'est un perfectionnement de l'homme. C'est faux, ça. Ça, c'est faux. La teshuva, c'est la reconnaissance de ce qu'est l'homme. Que ça l'améliore, c'est un détail. Parce que ce n'est pas une amélioration, c'est revenir à ce qu'est l'homme. C'est être en phase avec la réalité. Faire tes choix, c'est être en phase avec la réalité. Ouais, être en phase avec la réalité. Et surtout pas alimenter une teshuva qui te met dans un imaginaire total. Aujourd'hui, beaucoup font l'expérience de la teshuva, ils rentrent dans un monde qui n'existe pas.
un monde qu'ils ont inventé. La teshuva, c'est être en face de la réalité. Ouais, comprendre que quoi, que ce que tu as fait, c'était l'expérience de la destruction même de ton existence. Donc, fuir cette expérience, saisir qu'en vérité, ces actions-là ne te font pas exister. Donc, c'est de l'imaginaire. Si tu en es là, tu reconnais que ce que tu réceptionnes de la Torah, c'est ce qui est à l'origine de ta pensée, c'est ce qui fait naître ta pensée, c'est ce qui fait naître ta parole, et ce qui fait naître ta réalisation. Donc, tu repurifies ces trois niveaux-là de, comment dire, de connexion avec la réalité, en admettant qu'il y a Torah avant tout ça. Ça, c'est la Teshuvah. C'est ça la Teshuvah. La Teshuvah et la reconnaissance de la Torah comme étant premier à tout, c'est la même chose. C'est la même chose. La Teshuvah n'est pas simplement un regret, une expression de... Non, c'est le réel même de l'acceptation de la parole de la Torah comme préexistant toute chose. Ta pensée, ta parole et tes actions. T'as dit que donc, la première étape dans une chouba, c'est de ne plus faire. Et ensuite, de remonter vers la parole et la marche avant. Mais j'arrive pas à comprendre comment tu peux ne plus faire lorsque, au final, ta marche avant et ton dibourg influent sur ta mauvaise action. C'est-à-dire que tant que t'as pas travaillé ces choses-là. C'est pour ça qu'il faut remonter plus haut. Il faut remonter jusqu'au don de la Torah. C'est-à-dire le travail déjà sur le massé, un travail qui est très long. Ben oui. Alors comment tu peux faire un travail sur le massé s'il n'y a pas eu un travail déjà sur le dibourg et la marche avant? C'est un travail qui vient en même temps. Ça fait partie des chemins, des outils de la Teshuvah. De que celui qui revient, il crie fort, ouais, tout le temps, devant Akash Boukhou, avec pleurs et supplications. Il fait la tzedaka suivant ses moyens. Il s'éloigne très loin de la chose sur laquelle il a fauté. Ou Meshane Shemo, il change son nom. Clomar, qui change son nom. C'est quoi qui change son nom? Clomar, chez Ani Acher, je suis quelqu'un d'autre. Et je ne suis pas cet homme qui a fait ces actions. De quoi? Le mec il est schizo? C'est-à-dire que le Baal Tchouba c'est un schizo? Mais non, c'est pas ça. Eux ils croient que les Baal Tchouba c'est des schizo. Je suis un autre homme, je renais. Détends-toi, c'est pas ça l'histoire. Ouais, si tu penses que t'as une renaissance qui va te permettre de créer l'illusion que tout ça n'a jamais existé, c'est une absurdité, c'est pas ça la Tchouba. La Tchouba c'est prendre conscience que quoi? Que l'action que t'as fait c'est pas toi. C'est pas dire non, je suis un autre homme. Non, c'est l'action que t'as fait, c'est pas toi. C'est pas l'existence, parce que l'action que t'as fait, c'est quoi? C'est ce qui détruit l'existence. Hachem t'a donné la possibilité de faire l'expérience de la destruction de ta propre existence pour que tu puisses exister véritablement. C'est ça, exister. Parce que le chesed, encore une fois, la générosité, c'est quoi? C'est te donner ce qui est bon pour toi malgré toi. Donc forcément, il y a des choses que tu peux faire. Tu feras l'expérience de quelque chose qui te détruit. Parce que ton existence est malgré toi. Ouais. Maintenant, reconnaître la dimension de la Torah comme préexistant toute chose, c'est-à-dire tout ce qui est, tout ce qui sont les rendez-vous de la connaissance d'un homme, eh bien là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est très simple. Ce que j'ai fait, c'est pas que je dis que je l'ai pas fait. Je dis juste que quoi? Que ce n'est pas moi. Et que ça n'a pas d'importance. Revenir à une reconsidération de ces actions comme n'étant pas mon existence, comme n'étant pas ce que je suis, comme ne donnant pas de la validité à la construction de mon existence par mes actions, par ces actions-là. Alors, ça c'est la vraie Teshuvah, c'est ce qu'il dit. Ouais. Ou Meshanema Asav, Kula Netova, il change ses actions en bien, les Derer Yeshara, dans le chemin de la droiture, Vegolemim Komo, il va dans d'autres endroits, chez Galut Mechaperet Avon, parce que l'exil, c'est ce qui répare les fautes, mais ça l'amène à se soumettre, Veliot Anav, et d'être modeste, Veshafel Ruach, et d'être abaissé. Ouais. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Les gens, ils existent dans. On peut dire ça dans une définition très courte. La fierté. Non, mais même pas que la Teshuvah. Mais
le, comment dire, de manière simple, l'homme aujourd'hui s'apprécie dans sa capacité à se mettre en avant, à, comment dire, à écraser l'autre, à démontrer son, comment dire, sa supériorité, à machin, etc. Un type qui existe là-dedans, il peut pas faire tu vois, c'est impossible, impossible. Parce que faire tu vois, c'est accepter que tout ce que tu es dépend de d'Akash Bourou. Le mec dit oui, mais moi je dépends d'HM. Ouais, mais il le vit pas, il est pas du tout là-dedans, il est complètement ailleurs. Ouais. Comment tu fais quand tu fais tchouba sur tes fautes, etc. Bon, au début, comme tout, tu fais pas, etc. Mais comment tu fais pour après garder cette humilité justement et ne pas oublier justement cette origine sur le long terme? Comment tu fais pour gérer ça en fait? Il faut investir sur des bonnes actions, c'est ce qu'il te dit ici. Mais tu vois, Zorra bien qui va, tu donnes l'exemple une fois qu'il a fait tchouba, il s'est investi, pourtant un jour il a oublié. Alors, comment, bah, il a été prétentieux. Ah ben c'est la vie ça, c'est la vie. Non, à un moment donné, il a pris la grosse tête. Bon, bah, Hachem, il a rappelé à l'ordre. Donc, tu vois bien que les bonnes actions, ça fait pas tout. Ouais, mais ça a pas duré. C'est Rabia qui va, c'est passé vite. Non, c'est une question. Genre, comment toi, aujourd'hui, tu peux vivre pour. Tu peux garder cette humilité toujours. Cette origine d'être fidèle. Toujours garder en tête que quoi? Que Shiviti Hachem, l'unique d'Itami, tu mets Hachem devant tes yeux tout le temps. Que c'est lui qui. C'est-à-dire, encore une fois. C'est faire teshuva, c'est faire teshuva tout le temps, en fait. Mais avant la faute, pas attendre la faute de faire teshuva. Si tu veux ne pas fauter, parce que comme on l'a expliqué, le principe de la teshuva, c'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il te fait fauter pour que tu fasses teshuva. Pourquoi? C'est exactement la Gemara dans Avodah Zara. Akadosh Baruch Hu, il va faire fauter les Béné Israël pour révéler la teshuva. C'est quoi le problème? Le problème, c'est quoi? C'est que les Béné Israël n'ont pas révélé la teshuva. Tu veux pas révéler la teshuva? Alors la faute va venir pour te forcer à révéler la teshuva. C'est-à-dire que normalement la teshuva ça se fait avant de fauter. Mais comme toi tu refuses de revenir vers Hachem et reconnaître que tout ce que tu as c'est Hachem, ouais, alors tu vas fauter. La faute c'est la conséquence de ça. La faute c'est le refus d'avouer que tout dépend d'un jour. Tu te fais toi le point de départ. Tu te fais pas le point de départ, tu vas fauter, c'est forcé. Pourquoi tu fautes? C'est quoi la réalité de la faute? C'est exister dans ce qui n'existe pas. C'est être à l'origine de sa propre la destruction de sa propre existence. Oui, mais aujourd'hui, on est dans un système de tchouba, bon, je sais pas, qui faisait pas Shabbat, maintenant il fait Shabbat, que du coup, il oublie complètement de faire tchouba, quand en fait, pour lui, Shabbat, c'est légitime de faire. C'est ça, il y a des degrés. Mais pour ça, c'est pour ça qu'il faut venir étudier pour pouvoir comprendre que quoi, que bon, bah, t'as pas fait encore tchouba, elle est pas complète, il faut l'améliorer, il faut l'agrandir, il faut truc. Voilà, comment l'a expliqué? C'est-à-dire, là, aujourd'hui, malheureusement, on a fait la propagande de la teshuva. Ouais, c'est la propagande de la teshuva. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, la Gemara, elle ramène que quoi, que il y a ce qu'on appelle les tzadikim, et quand on dit les tzadikim, c'est-à-dire tout le monde est tzadik, et tout le monde est baal teshuva en même temps. Pourquoi? C'est quoi un tzadik? C'est quelqu'un qui n'a jamais fauté. C'est quoi un baal teshuva? C'est quelqu'un qui revient de sa faute. D'accord? La Gemara dit, là où les tzadikim se tiennent, les baal teshuva ne peuvent pas se tenir. Et là où les baal teshuva se tiennent, les tzadikim ne peuvent pas se tenir. Or, nous, qu'est-ce qu'on nous a bassiné pendant des années? On ne connaissait qu'un côté de la pièce. Ce qui comptait pour nous, c'est d'entendre que là où le baal teshuva se tient, les tzadikim ne peuvent pas se tenir. Comme si le baal teshuva était au-dessus du tzadik. C'est vrai, il peut être au-dessus du tzadik sur ce qui est le Baal Tshuva. Pourquoi? C'est quoi la supériorité du Baal Tshuva au Tzadik? C'est que le Tzadik, il n'a jamais fait Tshuva encore. Son erreur, c'est de ne pas avoir fait Tshuva. Il va attendre de fauter pour faire Tshuva. C'est ça qui dit là, le verset. En Tzadik Ba'aret Shelo Yecheta. Il n'existe pas un Tzadik sur la terre qui ne faute pas. Pourquoi? Parce que si tu te considères Tzadik, tu vas fauter. Parce qu'il faut que tu fasses Tshuva. Donc un vrai tzadik, c'est quoi? C'est un tzadik qui fait tchouva avant de fauter. Donc il est baal tchouva. La supériorité du baal tchouva sur le tzadik, c'est qu'il a fait tchouva. Nous on croit que quoi, que le baal tchouva c'est celui qui a fauté. N'importe quoi. T'as compris? La Gemara quand elle te dit là où les baal tchouva se tiennent, le tzadik ne peut pas se tenir, c'est quoi? C'est que là où le baal tchouva, celui qui est modé qu'il faut faire tchouva avant de fauter, il est bien entendu au-dessus du tzadik. Maintenant, là où le tzadik se tient, il est au-dessus du baal teshuva. De quel baal teshuva? Celui qui a fauté. T'as compris ou pas? Comment ça fonctionne? Les deux, on parle du même. Mais bien sûr, c'est la même chose. C'est-à-dire, le secret, c'est que c'est la même chose. On est tous tzadik sur une action.
On pense que quoi? On n'a jamais fauté, cette action, je ne l'ai jamais fait. Un homme, il a jamais tué. Il y a plein d'hommes qui n'ont jamais tué, qui n'ont jamais assassiné quelqu'un. Il est tzaddik sur le meurtre. Il y a marqué dans la Torah, l'otir tsar. Il tue point, il tuera point. Bon, ben, il est, lui, il est tzaddik sur cette mitzvah-là. Il est tzaddik. Maintenant, c'est quoi la force? La force, c'est pas de dire je suis tzaddik sur cette mitzvah. La force, c'est de faire tchouba avant de faire cette avéra. Mais pourquoi t'as pas... Même si tu l'as jamais fait, tu dis, mais attends, jamais de la vie. Jamais de la vie, ça va pas ou quoi? T'attends pas de le faire pour dire je vais faire tchouba. J'ai vu de faire un cours entre Yosef et Yehuda, sur la royauté, par exemple. Et logiquement, pourquoi le Mashiach Ben David, le Mashiach, c'est pas celui qui traite en fait. Non, mais pourquoi ça doit pas non, se faire? Non, ça c'est un sujet de la malroute, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec. Oui, on peut trouver une relation, mais c'est un sujet sur la malroute, la royauté. La royauté est donnée au Baal Tchouba. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui ne peut pas se la ramener. Donc il est obligé de... Le tzaddik, il peut se la ramener. Il dit, moi, j'ai jamais fauté, donc je vaux quelque chose. Oui, justement, légitimité. On va pas lui donner la royauté à celui-là. Si lui pense que quoi qu'il vaut quelque chose, indépendamment d'un jour, on va pas lui donner la royauté. La royauté, on la donne à celui qui est Baal Tchouba. Pourquoi? Parce que lui, il pourra jamais se la ramener et dire, oui, moi, je vaux quelque chose. Tu vaux rien, t'as fauté. La seule dimension que tu as, c'est le fait d'avoir fait Tchouba. Mais faire tchouva, c'est pas faire tchouva de ma faute. Faire tchouva, c'est quoi? C'est accepter de faire tchouva avant de fauter. Et t'as dit que les bénis Israël ne sont pas révélés la tchouva avant de fauter. Donc c'est pour ça qu'Hachem, il les a fait fauter pour révéler la tchouva. Mais au final, dans cette configuration, les bénis Israël ont fait que révéler la tchouva après la faute, mais pas avant la faute. Et la tchouva, c'est quoi? C'est révéler qu'il faut faire tchouva avant de fauter. Parce qu'il n'y a pas de différence. Il n'existe pas de tchouva après la faute. Ça ne veut rien dire. Okay. Faire tchouva, c'est dire que j'ai fait tchouva avant de fauter. La preuve, c'est juste une prise de conscience. Il faut faire une tchouva. C'est pas une prise de conscience. C'est plus que ça. C'est comment dire, c'est le réel même de la tchouva. Parce que t'as mangé dans un réel que tu... Parce que tu rentrer dans la faute, c'est vivre dans un monde qui n'existe pas. Donc Hachem, il t'a créé la possibilité de vivre dans un monde où il n'existe pas pour pouvoir être modé, pour pouvoir découvrir la nécessité de la teshuvah. C'est-à-dire, de la même manière que tu existes dans un monde qui n'existe pas, tu dois retourner à un monde que tu n'as jamais fait exister. D'accord? Donc en fait, quand la Gemara, même aujourd'hui, pardon, je sais pas, quand la Gemara, dans votre adorat, tu dis qu'Hachem a voulu que le peuple d'Israël faute, aujourd'hui, quand il faut t'envoyer une épreuve ou quoi, c'est qu'en soi, c'est une volonté pour qu'il puisse fauter, pour avoir une prise de conscience de certaines choses, en fait. C'est pas qu'Hachem, il veut que tu fautes. C'est que de fait, quelqu'un qui fait pas de chouva, il faute. Oui, forcé. Qui dit c'est qu'il faute, c'est lui qui le décide. Oui, il le décide, mais il est contraint. Il l'a décidé par le fait même qu'il n'a pas voulu faire chouva. Quelqu'un qui ne reconnaît pas que tout ce qu'il est, c'est Hachem qui lui donne, et donc il doit se déplacer de ce qu'il pense être vers Akadosh Baruch Hu, même s'il n'a jamais fauté, c'est un fauteur. Donc, il va fauter, c'est obligé qu'il va fauter, celui-là il va tomber. Donc le fait que c'est obligé de fauter, c'est simplement une conséquence d'un manque de reconnaissance et d'un manque de soumission totale et que... C'est d'accepter, c'est reconnaître que la Torah, elle vient du ciel. Et que c'est pas, elle vient pas de toi. Donc c'est qu'il y a une trop grande... C'est l'orgueil. C'est la prétention. Ah ouais. Mara, quand elle dit que le Baal Tchouba ne se tient pas là où tzadik et inversement, elle vient pas nous dire que le tzadik n'est pas Baal Tchouba. C'était lui. Elle vient pas nous dire que le tzaddik n'est pas Batshuva et que le Batshuva n'est pas tzaddik. Ça vient nous dire ce que c'est un véritable tzaddik au final. Mais c'est ça, elle a t'expliqué. Ouais. D'accord. Maintenant, je comprends pourquoi je n'ai pas.